Isaac Manouchian, mort pour la France. Arpène Tavitian, mort pour la France. Léo Ousseglio, mort pour la France. Wolf Vagebrot, mort pour la France. Lettre de Missak Manouchian à sa femme. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 heures. Je m'étais engagée dans l'armée de libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Lettre de Pierre Le Cornec. Fresnes, le 21 février 1944. Ma bien chère maman, mon bien cher papa, chère grand-mère, chère Nicole, cher Guy. Mes deux camarades et moi sommes maintenant réunis dans la même cellule. Il est 11 heures. On vient de nous annoncer que nous étions tous trois condamnés à mort et que nous serions exécutés à 3 heures cet après-midi. Nous allons donc mourir. Nous allons mourir pour la France et tous trois nous en sommes fiers. Nous avons été jugés